On va changer le titre du stream, à moins que je sois déjà dans Frostpunk. Je suis déjà dans Frostpunk en fait. Donc du coup, il n'y a aucun souci, on va pouvoir faire ça. Je crois qu'on a toujours le son du jeu. Waouh! On n'a pas eu de problème par rapport à hier. On était parti full cowboy le film. Ah, c'est vrai. Bah, quand il y a eu cowboy, c'était. C'était clair quoi. Pour moi, c'était clair dans ma tête. Il y avait des pistolets quoi. Mais il n'y avait pas de pistolet en fait. Nouveau départ, jour 22. On est de retour. On est de retour. Sur Pédantique, si tu connais pas la personne, ça peut vite devenir difficile. Connais pas la personne? Pas des personnes? Les pages wiki? Bah des fois oui, il y a des sujets où on connaît pas, genre il y a 3-4 jours, le titre c'était un peu divorce, c'était l'absolu. Voilà. Ouais, c'était une page sur l'absolu en philosophie. C'est pas dur à. Pas facile à trouver. Le fond vert il réchauffe là. Le fond vert il met bien dans une situation dans Frostpunk. Est-ce que tout. Ils rêvent tous de ça, mes petits citoyens. Alors, on en était où? On en était bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Inactif? Il fait trop froid? Okay. Bah alors, il fait trop froid, comment ça? On va faire radiateur plus, génération. Générateur amélioré. Donc, on était bien. 84 sur. Sur 348, je pense qu'on a bientôt fini là. Je vois pas qu'est-ce que je vais faire de plus en fait. J'ai mis mes usines et tout, bon. On est en dévotion maintenant. Je sais pas, doit y avoir un nouveau stade après la dévotion, j'imagine. On est en 10 sur 10 partout, on a full food, on a full bois. Je crois qu'on est retourné vers le cuivre ou vers les noyaux de vapeur au niveau du terminal. Là, c'est en train de produire. Les enfants, là, s'il vous plaît. La zone thermique, comment ça se passe? Ah, faudrait un petit coup de surmultiplicateur ou qu'on passe en niveau 3, mais bon. Encore une fois, c'est un peu difficile pour le moment. On attendra un peu. Pour l'instant, mettez des bonnets. Ça contraste encore plus, genre le chef est au Bahamas. Ah oui, j'avais les réfugiés qui arrivaient. Non, mais eux, par contre. Ah, je suis DSL, quoi. J'ai vraiment DSL pour eux. En attente. Explorer, vivre cru. Prendre les ressources. Nous avons découvert plusieurs caisses remplies de ressources, cachées sous la neige. Impossible de savoir qui les a laissées là. Les ressources seront prises. Pas bah, nickel. Et donc, du coup, on a la station de recherche. On peut y aller aussi, arriver dans 24 heures. Bon, j'espère qu'ils vont pas foutre trop la merde, là, les mecs. 32 malades gravement. En traitement, sélectionné. Maison de soins. Habitants 7 sur 20. Bah, ça va pour le moment, non? Est-ce que je devrais mettre. Ah, je vais peut-être mettre un petit truc de santé en plus. Elles sont nourries avec des demi-rations. On va en mettre un petit hôpital. Petit hôpital tranquille. Hop. Technologiquement parlant, on pourrait remettre une usine, mais ça ne servira à rien. On a combien Ouais, on a du cuivre. Hein. On a du cuivre, on peut se permettre. Là, il y a des hôtels un peu partout, je crois. Là, il y avait un autre hôtel. Là, il y en a un autre. Hop, on va le mettre là. Pour améliorer l'efficacité de nos bâtiments de construction. C'est bien gambré. Et là, on avait dit qu'il y avait des gens, ils crevaient de froid là. Ah, les gens, ils ont froid ici. Tu m'étonnes. Ah, ils ont froid ici aussi. Hein. Tu m'étonnes. Allez, on va se mettre là. Allez, c'est parti, les potes. On construit tout ça maintenant. Trop de bois. Ah, la loi. La loi. Le but. Alors, le but. Maison de guérison. On peut faire quoi? On peut faire dénonciation vertueuse. Il incombe aux fidèles de dénoncer le mal. La véritable compassion consiste à amener les impies vers la lumière. Des groupes abandonneront parfois les londoniens, mais il n'y a plus de londoniens. Il se peut que de petites quantités de ressources soient parfois découvertes. Ok, cuisine mobile.
augmente d'un niveau la température des lieux de travail voisins. Peut-être que c'est bien ça en vrai. Maison de guérison. Un petit bonus d'espoir. On va retourner dans l'adaptation, donc dans l'autre choix idéologique. Maison de passe, salle cool, artisanale. Ah, le cimetière. Ouais, c'est vrai qu'on devait faire ça. Un cimetière ou le traitement des cadavres pour faire la transplantation d'organes après. J'aime bien, moi. On va creuser une fosse. On va creuser une fosse glaciale. Mais la seconde vague. Ils sont combien? 70 personnes. Mais c'est mort. C'est mort. Un autre groupe de réfugiés est arrivé. Ils sont en pire état que le groupe d'avant. Beaucoup d'entre eux ont des engelures. Ils parlent tous d'une énorme tempête qui arrive depuis le sud. Nansen nous a guidés vers le nord. Ses années à explorer l'Arctique lui ont enseigné comment survivre en utilisant les ressources naturelles de la région. Personne ne pouvait savoir ce qui allait arriver. Devrions-nous les laisser entrer? Et il y aura un petit peu de cive d'Amori, un peu plus tard. Seulement ceux qui sont en bonne santé. Ah, 20 personnes! Ça, c'est bien ça. Tranquille. Leur demander de partir. L'espoir diminuera. Alors, on est déjà beaucoup dans la maison. Moi, je pense... Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3, premier, deuxième, troisième choix. Vous choisissez. Il y a un caractère à mettre dans le chat pour que vous ayez, bon, un petit... voilà, un petit truc. Je vous fais aussi participer au game. Voilà, on joue ensemble. 1, 2, 3. Non, pas le 1. Ciao, people. Allez, ciao, les gars. Allez, retournez là-bas. Allez, là, j'ai un peu de défi. Quoi? Un, et les blessés meurent pour plus d'organes. Waouh. Waouh. Tout le monde est bienvenu. Le mécontentement augmentera. 25 malades, 25 gravement malades. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas qu'est-ce que je vais en foutre de ces gars-là, moi. Tout le monde est bienvenu, allez. Vous mettez dans la merde comme toujours. Vous êtes les pires personnes. Fosse glaciale. Alors, fosse glaciale. Est-ce que ça nécessite vraiment du froid? Bah non. Ouais, ouais, hors du froid. Hors du chaud, pardon. Hors du chaud. Là, on va peut-être avoir du bois. Là, on a plus de bois, là, si. J'ai vu qu'on a... C'est une source de chaleur, ça? Ça, c'est pas une source de chaleur. Hein. Ah, on pourrait le mettre là, là. Bim. Une première double fosse. Ça coûte cher? Coût zéro. Pff, double fosse. Dortoir. 10 d'acier. Chier. 26 sans abri. Ok. Et au niveau de la santé, bah, on va faire des maisons. On va faire des maisons de soins dans le froid. Non, on va créer un complexe sanitaire impressionnant. On avait commencé à remettre un petit médecin ici. Ok. Ah, je peux pas en mettre un derrière. Allez, bim. Pourquoi là, il y a 10? Pourquoi il y a 10 mecs qui peuvent arriver ici? Parce qu'ils construisent pour le moment. Ok. On crue en construction, machin, on devrait avoir assez de vivres. Est-ce qu'on a bien remis... Oh là là, 106 malades. Ah les gars... Ah les gars... Je vais refaire des petites cabanes de chasseurs, mais je sais pas quoi vous faire faire. Ouais, petite cabane de chasseurs là. Calme. On va aller apporter de la boue. C'est, vous allez. Vous allez chasser, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Vous êtes des chasseurs, au final. Ressources. Syrie. On est où là, puissance de générateur? On l'a fini? On l'a pas fini ça, ça c'est bon ça. Le four à charbon, on pourrait l'utiliser évidemment pour le bois un peu plus tard si on en a envie. D'ailleurs, on pourrait remettre les gens là. Hop. Fermé à 7h de la journée. Ah, super. Qu'est-ce qui se passe? Faut que je retourne à. En vitesse 0,1. Oula, 20h restantes.
parce que l'automate ne travaille plus, non? Et l'automate travaille dans la mine de charbon. Eux, ils travaillent plus, évidemment, dans les deux autres mines. On va regarder notre carte. Est-ce qu'on a bien le mec là qui nous récupère le charbon ici? Oui. Et on a le cuivre qui est en train d'arriver là. Ok. Et il y a encore des réfugiés qui sont... Ils sont là. Préparation de réfugiés. Habitants, je vais remettre 2-3 tentes. Du chaud quand même. Un peu de chaud. Voilà. Voilà, on a de la place là, non? Avec les dortoirs, avec les trucs, avec les machins. Petite arène de combat. Et où notre arène de combat? Hop. Petite arène ici, là. Les gens seront contents. Une partie d'entre eux, en tout cas, j'espère. Ah, j'aurais pu en placer une ici, mais on va dire aux F. Et qu'un seul peuple dans la ville. Ça dégoûte. Ah non, mais ça, c'est notre complexe hôtelier, ça. Sanitaire, pardon, pardon, pas hôtelier, pas du tout. Pas du tout la même chose. Alors, on va avoir un réchauffement de la température et on va avoir la température qui va baisser sensiblement dans 3-4 jours. 3 niveaux de température. Merde. Et niveau économique. Niveau du charbon. Plus 2003, moins 2005. Et là on est à plus 200. On est bien au niveau de la nourriture. Le citoyen non traité. Statut des malades, quoi. Malade. Malade, les mecs. La merde. Hop. Allez, bim. Attends, tu vas activer le chauffage, toi. Voilà. Le petit chouchou, là. Ouf. Il fait bon, là. Il fait bon. On n'est plus en frais. Normalement, ça devrait aller dans toutes les usines. On va pouvoir bosser un peu. Par contre, je crois qu'il va nous falloir un petit peu de charbon. Ça va être la merde. Hein. Ouais, il nous faut du charbon. On a réactivé les fours à charbon de bois. C'est la bonne nouvelle. Fosse glaciale établie. On peut y déposer les corps maintenant. Super. 38 ouvriers, bim. Cabane de chasseurs. Et il va falloir que... Bah, plus de charbon. Comment on va faire plus de charbon? Ah, il faut cramer du bois. Cramer du bois, je vois pas autre chose là actuellement. Je vais essayer de refaire un automate à un moment. Ressources. Four à charbon de bois. Mine de charbon. Bah, mine de charbon, mine de crayon, j'ai envie de te dire. Merci beaucoup. C'est le 1 ou le 2? Mais il y a un 2? Moi j'ai acheté les DLC du 1 hier. Bon. On va bien quoi, jouer au 2. J'ai rien à mettre. Hein. J'ai rien à mettre, je pense. On pourrait faire la petite série. 40 d'acier pour faire ça. Ah, le 2 n'a pas encore de. C'est le 2! Tu regardes le 2, reste ici. Puissance de générateur, O2. Alors là, je pense qu'il fait bon. Je pense qu'il fait bon. Exécution publique. Un ennemi de la foi va être exécuté. Voilà ce qui arrive à ceux qui mettent en danger notre ville. Oh merde. Aucun criminel n'a été exécuté pour le moment. Je... Ben, il n'y a pas de criminel chez moi. Échafaud. Cliquez sur l'échafaud. Ah ouais, d'accord. Donc là, Relou, il nous faut 1200 de charbon en plus. Bah, on va mettre un double terminal là. Est-ce qu'on peut faire double terminal? Pas sûr. Pas sûr qu'on passe au niveau 3 là. Juste mettre sur le...
Ok, 21 charbon par heure. On va se rester en niveau 2 pour le moment. Consommation. La même chose là. En opération, mine de charbon. 2 charbons par heure. 6 charbons par heure. Alimenté. On se remet en niveau 2 parce que le charbon ça a été un problème. Il va falloir refaire du bois. Oh, l'arbre technologique. Oui, parce que la puissance au final, je suis pas sûr que ce soit. Efficacité des radiateurs. Moins 1 d'unité de charbon par radiateur. Pas mal ça. Efficacité du générateur. Ressources. Souffler pour four à charbon de bois. La production de charbon de four à charbon. La production de charbon des fours à charbon de bois sera 33% plus rapide. Oui! Certes! Cessation de forage. Perce les parois de notre cratère afin de mettre à nu les restes d'une ancienne forêt engloutie par les glaces. Fournit jusqu'à 160 de bois par journée de travail régulier. Il faut que je fasse ça. Je pense carrément qu'il faut que je fasse ça. Ils sont en train de construire mes petites routes ou pas? Rien du tout, les gars. Ouais, il y a des ingénieurs qui sont là. Je pense que ça sert à rien de faire ça, les gars. Là, on est en train de faire ça. On n'a pas d'acier. On a peu d'acier, mais on va en avoir parce qu'il va revenir l'autre. Donc, peut-être qu'on va pouvoir refaire un automate. Va falloir faire donc la série un peu spéciale. Hop, tiens. Enfin, la cantine. Oui, bien sûr. Environ 4 heures. C'est bien ça. On va pouvoir les poser à la fin. À la fin de la journée. Ou 16 heures restantes. J'ai l'impression que c'est ok au niveau de la température pour les gens. Ouais, j'ai l'impression que c'est full ok. Ils ont pas à se plaindre, les bâtards. Ah ouais, non, ouais. Genre là. T'as besoin, toi, de ça? Toi, t'as pas besoin de ça? C'est quoi ça, c'est l'hôtel? Ok, t'as pas besoin non plus. J'ai pas l'impression que t'as besoin ça, toi non plus. Ah, quoique. C'est l'hôtel quand même. C'est mieux comme ça? C'est mieux comme ça. Station de forage. M! Station de forage à vapeur! 200 de bois par journée de travail régulière. Deux noyaux de vapeur. On n'a plus qu'un. Bon, mathématiquement parlant, ça serait mieux de faire double station de forage. Je comprends pas. Que normalement, il te dit en fait de les remplacer. En mesure, je pense. Je pense que c'est ça qu'il dit. Est-ce que je fais la station de forage à vapeur du coup? Je sais pas si j'ai des noyaux bientôt. Mine de charbon à vapeur. 600 de charbon par jour. Oui. On va débloquer ça. Let's go. Et là, bam. Elle est où la station de forage? Let's go back. Pas là? Dans la paroi, on m'a dit. Ah, là. Ah, là aussi. Ah, c'est bien. Je t'en mets une deuxième. Ouais. Wow, 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 wow. Oh putain, j'en ai mis deux et donc du coup j'ai plus de noyaux à vapeur. Ok. Il va falloir que j'aille en retrouver. Au moins avec le terminal. Parce que j'imagine que le prochain truc que je vais faire là, ça va m'en nécessiter deux. Ok. En attente. Construire un avant-poste. 100 acier. 100 acier, bon. J'ai envie de l'avoir quand même. Et après, il va me falloir, ici, depuis Tesla City, les noyaux de vapeur pour pouvoir faire les trucs de charbon, là. On sent bien. Meurs de faim. Non, vous mourrez pas de faim, tout le monde a de la bouffe. Comment ça se passe pour les malades? Est-ce qu'il n'y a pas un graphe par rapport à ça? Condition de logement, statut de la santé. Pouvoir historique. Ouais, les malades ont augmenté depuis les 10 derniers jours, je suis bien d'accord. Pep. Il fait trop froid.
Ok, pardon. Il est désactivé celui-là. Ah ouais. Maison de soins qui est ici. Ils sont pris en charge les gens ou pas? Comment ça se passe? En attente d'ouvriers ici. Ok. Bon, on va retourner voir économiquement comment ça se débrouille. On a plus 2003, moins 2004. Ok. Ok. Le stockage. Oh, on va avoir 210 d'acier là. Ça va être très très bon ça. On a des crues, on est en positif en crues aussi. En construction. Ah, on a une loi. Loi possible. Adaptation, transplantation d'organes. Nous pourrions nous servir des membres de nos compagnons défunts pour sauver des vies et accélérer les guérisons. Les morts contribueraient ainsi à la survie de la ville. Les malades seraient plus. Bien. Très bien, très bien, très très bien. Très bonne idée, les gars. Explorer noyau de vapeur, bois, acier. Let's go. Repère dans une grotte. Des ressources seront prises. Alors moi j'ai bien envie d'aller là avec lui. Et en attente de l'autre là, on retourne à la ville. Hop. Et là comme ça on devrait être pas trop mal. On va pouvoir récupérer un petit noyau de vapeur, voire deux, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans, sur lui. Pour le mec. On a encore 11 ingés. On a 11 ingés. Et 64 enfants après. Interdit, 25 en soins palliatifs. C'est chaud. C'est un peu chaud pour vous. Je refuse de me faire découper. Oh! Toi déjà tu vas dans la fosse. À côté du terminal. Nickel. Vous voulez partir? Voilà. Voilà. Voilà l'image. Voilà la photo. Dans 5 heures, un nouveau groupe de réfugiés. 3h57. Alors, on va mettre des maisons. On va mettre 2-3 maisons. Là, c'est un peu. C'est un peu chaud, c'est un peu froid. Oui, c'est un peu fait à la zeub. Je suis d'accord. Ouais, je te mets quelques tentes en plus. On sera tous contents par rapport à ça. On va sûrement te mettre un petit foyer de chaleur aussi. Parce que sinon, là, ils ne survivent pas à ces gens-là. Un foyer là que je vois. Donc il faudrait que j'en mette un là en vrai. Allez, petite route. Allez, petite route. Ok, on le désactivera aussi en même temps. Enfin, en même temps. On n'aura pas encore fait nos maisons, machin, etc. Tiens, bim. Oui, on va restaurer de l'espoir, les gars. Eh bien, parole du capitaine. Les cérémonies, là, il se passe tout, là. On va se rassembler, on va parler un petit peu de vos agissements. Et là, c'est pas joli, joli. Saison de forage, ok. Nouveau commencement. La foi nouvelle, un groupe de jeunes hommes a encerclé une maison. Ouf, la pression. Ils prétendent que la famille qui y vit cache des symboles de l'ancienne religion. Ils veulent s'en débarrasser pour purifier la ville. La famille affirme qu'il s'agit d'inestimables reliques des temps précédant la catastrophe. Elle souhaite les garder. Confisquer les reliques ou alors laisser la famille tranquille. Moi, les reliques, j'aime bien. Moi, je comprends. On peut avoir des reliques pour moi. Moi, je suis plutôt pro-reliques qu'anti-reliques. Le mécontentement va augmenter aux F. Laissez la famille tranquille. Voilà. Oh, qu'est-ce que je veux, moi?
La troisième vague. Le troisième groupe de réfugiés est arrivé. Ils sont épuisés et tiennent à peine debout. Leur voyage a été très difficile. Et ils ont dû s'occuper de leurs malades, leurs morts. Leur leader, Nansan, n'est pas présent. Nous avons évacué autant de personnes que possible. Mais beaucoup sont restés derrière avec ceux qui étaient trop malades pour voyager. Bon Nansan. Que Dieu ait pitié de nous. The pig call is coming. Devons-nous les laisser rentrer? Tout le monde est bienvenu. Seulement ceux qui sont en bonne santé. 60 personnes, dont 50 gravement malades, vont entrer dans notre ville. Ah! Seulement ceux qui sont en bonne santé, ou leur demander de partir. Les malades, ça dégage. Ah bah, il n'y a que 10 personnes qui viennent, si on met le 2. C'est vous qui décidez encore. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, c'est clair, c'est clair. Si tu les confisques les reliques, tu les récupères juste pour toi. Ah mais j'aurais dû tous j'aurais dû faire bienvenue en fait. À chaque fois, je pense qu'il doit y avoir un truc. Il doit y avoir un événement aléatoire qui te dit bah bien joué mec. Un let's go maintenant qu'on est parti. Ce qui nous attend, capitaine, nous pouvons maintenant voir ce que les réfugiés tentaient de fuir. Le grand froid s'en vient. Nous devons nous préparer. Nos scientifiques disent qu'ils peuvent calculer la sévérité de la tempête. Ils ont juste besoin d'un jour ou deux pour préparer leurs instruments et les installer dans la balise. Ah. The fuck. Ah, il y a des nouveaux repères dans une grotte. Pourquoi ça... D'accord. La température chute. Il fait plus froid que lorsque nous fuyons la tempête. Oui, il fait froid ici, il fait très froid. Et t'es en train de construire ça. Donc calme-toi. Là, je vois 144 malades. Je sais pas si tout le monde a été... Je sais pas. Est-ce que tout le monde est pris en charge? Je suis pas sûr. 5 aciers. Il va falloir qu'on fasse 2. Ouais. Il va falloir qu'on fasse 2-3. Je pense. Bah ouais. Un nouveau centre. Hein. Un nouveau centre. Comme ça, les gars. On a plus d'acier. Bah, c'est pas grave. On arrête. Hop. Allez, ça bosse là. S'il vous plaît, construisez les trucs. Il est 5h du matin. Pompignan s'éveille. Ce qui nous attend, amélioration de balise. Lentille spectroscopique. Nous devons nous préparer. Ouais, bien sûr. Ça doit être dans les techs, non? Les lunettes. 48 sous-traitements. Est-ce qu'il y en a qui peuvent bosser un peu? 24, 23. On a 50 mecs qui peuvent bosser, c'est déjà ça. heures restantes. Bon, ça fait chier. Il va falloir qu'on claque le multiplicateur ici. Ou c'est déjà... on est à moins 50. Là, on va être à moins 70. En 2 jours, je pense qu'on claquera le multiplicateur à ce moment-là. Ouais. Là, les gens, ils vont retaper dans la forge. Hein. Dans le forage, pardon. 8h du matin. Maison de soins, s'il vous plaît. Hop. 0 sur 5. 8 sur 10. Certes, certes. Alors, bonjour messieurs. Vous êtes peut-être malade, vous n'êtes peut-être pas à la maison. Hop. Station de forage. On va mettre le petit chauffage. Plein de ressources vives crues. Ok. Faire à vapeur en même temps. On va remettre les gens. Ici les enfants. 66 enfants. Pas très froid ici. Ici ça caille. Caillot. Technologie. Et d'ailleurs, c'est 20 assiettes.
putain de vache. On va retourner dans le truc thermique là. On avait désactivé certains trucs, genre là par exemple. On va le réactiver. Il nous faut des feuillages à vapeur. Ok. Ok pour là. Dix heures restantes, c'est pas beaucoup. Ah. Du coup, on va avoir beaucoup de bois. Donc du coup, il va falloir qu'on transforme notre bois en charbon. Pour faire ça, on a les fours à charbon de bois. Est-ce qu'on n'aurait pas mieux en technologie là? Qui va arriver. On a la mine de charbon à vapeur. On a les deux noyaux à vapeur qui vont peut-être arriver. Je sais plus si c'est un ou deux. On va pouvoir augmenter le soufflet au four à charbon de bois. Donc ça, c'est bien. Je pense que c'est la tech qu'on va faire après. Et on va mettre donc des fours à charbon de bois. 32 bois, 30 d'acier. Attention quand même. Pas déjà sur la rue. Moi j'ai envie de mettre ça là parce que ça va générer de la chaleur pour le petit truc là, non? On va se mettre là. On va voir si j'ai raison. Orient construction. La belle musique, hein. Vous me dites si c'est pas trop fort. Alors, mine à charbon, 25 de bois, 40 d'acier, 2 noyaux de vapeur. Ok. Je crois que ça c'est un noyau vapeur. Et si on démantèle, on a quoi? Un noyau vapeur. Ce que je disais. Technologie. Four à charbon de bois, 25 d'acier. On va attendre un petit peu. Zéro gravement malade, nickel. Bombe décor, 6. Ça va? Tranquille. Ah, 130 d'acier. On est parti. Le soufflet. Et après le soufflet, on va pouvoir remettre ça là. Ça rentre pas bien. Ça rentre pas bien, putain. Et j'ai encore 46 d'acier. On va économiser. Donc le mec, il est rentré là? Non, il est pas rentré encore. Il rentre bientôt. Normalement, le bois, ça a bien augmenté maintenant. Et là, on va démanteler un truc pour le faire derrière. 7 heures restantes, en attente, ok. Survivant. Bah merde! Quelques hommes fatigués. Alors que nous approchions de la grotte, les survivants sortirent leurs fusils et prirent position derrière le mur protégeant l'entrée. Ils sont en piteux état, affaiblis par le manque de nourriture, la maladie. Bassin gelé. Leur parler. Bonjour. Les éclaireurs vont essayer de convaincre les Américains de nous rejoindre. Les attaquer. Les éclaireurs vont essayer de soumettre les Américains. Comment dire? Allez, on va aller leur parler d'abord. Rien de mieux que tailler le bout de gras. Voyant que nos intentions ne sont pas mauvaises, les Américains nous ont expliqué comment ils ont jugé l'inventeur après l'avoir exclu de leur ville. Nous avons enterré le cœur meurtri de Tesla dans une grotte et nous nous dirigeons vers la ville avec les misérables survivants. Expédition de transport, certes. Je peux pas aller là? Ah, je suis obligé de rentrer avec les gars? C'est chier. Il aura fallu un autre scout là, en vérité. Tant pis. Bon. C'est bien. Bon, les gens sont malades. Et c'est pas mes gens. C'est les gens d'autre part. Au four à charbon de bois, let's go. Four à charbon de bois, let's go. On a 4 en 9 d'acier. Alors, en parlant de l'acier. Ah oui, prévu dans 13 heures. Ouais, on va refaire une dernière livraison. Et il est où mon autre mec?
Ouais, bizarre. C'est parce qu'il était dans la ville, un truc comme ça, peut-être. Il venait de me livrer. Alors, la foi nouvelle, marqué. Capitaine, un membre de la famille à qui vous avez permis de garder ces reliques est ici pour vous parler. Il affirme qu'on les a d'abord laissés tranquilles, mais quelqu'un a ensuite marqué leur porte un X rouge. Désormais, plus personne ne leur dit bonjour. On les dépasse dans les files et leurs enfants sont rejetés par leurs anciens camarades. Ils vous demandent d'agir à ce sujet. Envoyez les gardiens de la foi pour nettoyer. Les gardiens de la foi refusent. Ils affirment que les ennemis de la foi doivent être marqués. Ah bah il faut payer pour avoir choisi de passer alors. J'ai pas d'autre solution pour toi. Ah j'ai rien d'autre. Moi j'ai voulu être gentil avec les reliques, mais là, là ça dépasse ma juridiction. Alors on pourrait se faire un petit automate, non? On pourrait se faire un petit automate. Et c'est un noyau d'auteur, donc on va pas se faire un petit automate. Alors attendez, parce qu'il faut un charbon de bois plus important que ça. Les vivres, c'est pas comme si on en avait assez. Vivre. On est full dans les autres endroits. On est pas full là, ça c'est l'usine, Zef. Ingénieur, merde. Chat. Où sont mes ingés? J'ai des ingés ici, oui. Là j'ai encore quoi? J'ai encore 23 mecs. Il y a 23 mecs. Four à charbon de bois. Mine de charbon, oui, ça va le faire. Putain, on a déjà dit. Oh, le bon placement des quartiers, encore une fois. Hein. Ça fait vraiment plaisir à voir. C'est un bonheur pour les yeux. On va en remettre deux. On va en remettre deux et on va mettre un foyer de chaleur, de vapeur. Ouais, ici. Ça me fait chier. Je pense que ça sera nécessaire même pour plus tard. Et là, je pense qu'on devra en mettre un aussi. Il arrive l'autre, là. 3 heures. Ah, ils ont pas construit. Je trouve qu'ils construisent assez lentement. Je me plains pas, mais... c'est un peu lent. C'est fini, on ne survivra pas à ça. Ah, monsieur. Oui, là c'est marqué 6 heures, mais vous inquiétez pas, les gars. On lance le multiplicateur. Filtre thermique, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, oui, d'accord. Pardon. Pardon! Pas réfléchi. Parlez, pas réfléchi. Ah, c'est pas encore construit ça, j'imagine. Station de forage, il fait très très froid. Les gens ne sont pas heureux. Ils ne veulent d'ailleurs, je pense, pas travailler là-dedans. Alors. Bim. 5 noyaux de vapeur. Ok. Donc là, c'est la transi. Mais c'est la transi relou parce que c'est durant la journée. Ah, ça me remplace directement. Ah ouais. Amélioration déjà en cours. Ok. Moi, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Mais c'est une très bonne nouvelle. Je suis pas sûr. On va passer à vapeur ici. D'accord. Chose que nous ne sommes pas au courant. Est-ce qu'on va voir le time? Je sais pas, hein. Je sais pas combien de temps ça prend là de upgrade ça. Le début de la journée. 4 heures. Merde. Lui, je l'ai pas. Je l'ai pas renvoyé lui. Pas. Ok. C'est chiant. C'est chiant ce qui se passe. Nouvelle recherche. Faut pas trop dépenser dans des trucs de merde. Isolation des cantines. La balise.
le chauffage, portée, efficacité des radiateurs. Carrément. On a de la bouffe, les gars. La bouffe, c'est pas un souci. J'espère que c'est clair pour vous. Les enfants ici. On va mettre un ouvrier là. Dans l'usine Osef. Cire à vapeur. Ouvrier ici. On va garder les ingés. 4 heures restantes. Comment allons-nous faire? Alors l'acier. Bon bah l'acier. L'acier Osef, hein. Non? Il faut que je fasse ça d'abord. Dans combien de temps? 3 heures. Bon, c'est là quand même. 298 de cuivre. On a la loi à faire. C'est possible. Est-ce qu'il n'y a pas un petit truc? Engrais biologique. Les cadavres peuvent servir d'engrais dans les serres chauffées. Osef. Osef, 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 ok. Pareil des enfants Osef. Loi sur les douelles, maison de passe. Rotation d'urgence, soupe. Rotation d'urgence. Hein? Voilà. New law in the city. Je pense que c'est important là, les gars. Pour un charbon de bois. Générateur activé. Là, c'est toujours l'usine. Je regarde si j'ai pas oublié des trucs. Ils sont toujours là, eux. En opération. Un automate? Pourquoi j'ai mon automate là-dedans? Je vais remettre. Alors, mine de charbon, machin, c'est bon. Station de forage. Pauvre. Cirée à vapeur. On a déjà pas mis ça? Moi, je suis plein en bois là. Des fours à charbon de bois qu'il me faut. Let's go. Trop de cuivre, trop de bois. Pas dérangeant de faire ça. Il me faut par contre un petit foyer à vapeur, je pense, dans les parages. Quand même pour respecter. Ok. Et là? Oh, c'est ouf! Oh, c'est ouf! Regardons l'économie. Oh putain, je fais 2000 de charbon par jour! Ah là là, comment on va s'en sortir? Trouble dans la rue. Le prédicateur contestataire se manifeste dans la rue. Une foule en colère s'assemble autour de lui. Mais ses disciples se tiennent prêts à le défendre. Et... Il ne cesse de répéter que cette fois... 2000 de charbon! Il ne cesse de répéter que cette foi nouvelle n'est qu'une tyrannie déguisée. Et que... Qui idolâtre le capitaine se détourne de Dieu. Une telle insulte ne sera pas prise à la légère. Ah ouais. Bah ouais, on va... On fait confiance au peuple? On envoie les gardiens de la foi. On fait confiance au peuple. Salut Bad Slayer. Va sur Discord, sur le CFR, juste en dessous du lecteur, tu vas voir, il y aura des gens qui seront là pour t'aider avec ton problème. Bonjour Archange. Tout est réuni pour faire un martyr. Tout est réuni pour faire un martyr. Risque de blesser, c'est vrai que de toute façon, il risque d'avoir des blessés. Préserver la paix.
Je sais pas qu'est-ce que ça peut impliquer de... Allez, on envoie les gardiens de la... Ouais, on les envoie. On respecte la paix. On restaure l'ordre. Ça dégoûte un peu. Je suis d'accord avec vous. Ah, je sais qu'est-ce qu'il me faut aussi. Il me faut ressources, poste, dépôt de ressources. Bonjour. C'est bon. Efficacité des radiateurs améliorée, donc là on est encore mieux que tout à l'heure. On va être en fera plus, donc on peut peut-être se claquer le niveau 3. Et le niveau 3, il est tranquille apparemment, on arrive à le tanker. Ouais, on arrive à le tanker, on a encore 1400 de charbon max possible. Bonjour, nouvelle recherche, peut-être. Peut-être une nouvelle recherche, peut-être le niveau 4, messieurs dames. Une station de forage à vapeur. Ça me tente bien ça. Allez, on va up ça d'abord. Qu'est-ce qu'il se passe? Arrestation des ennemis de la foi. Nos gardiens de la foi, Robert et Marcel, ont dispersé la foule et arrêté le prédicateur et ses disciples. Que devons-nous faire de ces canailles? Bah oui, la repentance. La pénitence publique risque de blesser, le relâcher. Non. Va devoir dire des trucs quand même devant tout le monde. Qu'est-ce qu'on a là? On a peut-être un petit automate là. Est-ce que les mecs ils vont retourner au travail au bout d'un moment quand ils vont être... quand ils vont plus être malades? J'aimerais bien. Ok, station de forage, fait chier. Les gens meurent hein. Ah, je suis obligé d'en remettre à chaque fois, j'ai l'impression. Bonjour et merci Dido. 50e mois d'abonnement. C'est pas mal. Ok tiens. Attends, j'enlève mes ingés là. Ouvrier cabane de chasseur, je vais les mettre eux, tiens. Hop. Petite automate. Allez, petite automate. What the fuck. Fermé à 7h de la journée. Oui bah c'est bon. J'avais pas compris. Besoin urgent de soins. La population manifeste dans la rue. Le nombre de malades non traités ne cesse d'augmenter. Pourtant vous semblez ignorer les problèmes. Les habitants vous demandent d'agir. Hein? Vous avez 3 jours pour qu'un tiers des malades soient admis en traitement. Ils seront tous soignés. Restant 75. Je comprends pas, j'avais pas fait assez de trucs. À côté des fours à charbon, là, c'est parfait. Il fait bon. Pas adjacent, c'est vrai. Bien. On a fait la loi, on a fait la techno. On est à full vivre. On est en train de construire nos petits trucs là. Ah, on est en sur multiplicateur. On va l'enlever. Quand même. Ouvrier. Bam. Ouvrier. Ici, pareil. Et là, on va se mettre donc les vivres. Déjà pour commencer. Les rations. Façon forage. Ah, on est en frais, hein. On est en très froid. Il n'y arrive pas, hein. Il fait pas très 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 bon là-bas. Ingénieur four à charbon. Ouais. Ici, un ouvrier en plus. Efficacité 90%. Le charbon. Et on va se mettre un truc de bois aussi, je pense. 66 qui viennent de rentrer dans des maisons de soins, c'est une bonne nouvelle. On a 5 ingénieurs encore. Allons-y, pourquoi pas.
Alors attends, parce que moi je voudrais bien un automate qui aille ici. Voilà. Beaucoup, beaucoup mieux. Très bien ça. Alors, on va up ces mecs là. Et les mecs qui restent, même. 37 sur 48. 37 enfants. Dans les cantines. Tous dans les cantines. Alors, enfant en fugue. Capitaine, capitaine. Un homme est venu nous voir. Il dit que sa fille a fugué après avoir entendu parler de la tempête. Il souhaite emprunter une luge d'éclaireur et aller la chercher. C'est une grande fille maintenant. Ouais, mais elle a toujours été impulsive et elle a facilement peur. Et je veux la retrouver avant qu'elle soit perdue pour de bon. Elle est ma seule raison de vivre. Il va mourir. Nous devons l'arrêter. Les équiper pour leur voyage. L'ignorer. Nous avons empêché cet homme de quitter la ville. L'espoir diminuera. Non, on va les équiper pour le voyage. Ouais, bien sûr. Concentration. Let's go. Vas-y, je comprends. Je comprends ce que tu fais. Bah, tu mourras sûrement, mais Osef. Osef. Désolé, mais Osef. Un four à charbon de bois, ça c'est bon. Et le pépé. Techno, livre de loi. Adaptation. Ration supplémentaire. Surpeuplement. Nos bâtiments médicaux doivent être pleinement utilisés, même si cela nous pousse à laisser des patients à même le sol. Ouais. La capacité des bâtiments médicaux est doublée. Ration supplémentaire pour les malades. Accélérer la guérison, c'est très bien ça. Let's go. Et on a 69 toujours. Est-ce que c'est des maisons de soins, des postes médicaux que je dois mettre en fait? Ah ouais, on m'avait dit AE. Non, pas AE. Pas des S. Ah oui, je peux faire ça comme ça. Y'a pas un petit foyer à vapeur là, pas loin? C'est quasiment sûr. Je peux avoir plus de nourriture aussi? Non, mais vous pouvez tous avoir plus de nourriture. Hein. Aucun problème avec ça. Et là, normalement, le charbon, ça devrait être bien. Ça devrait exploser, entre guillemets. Alors! Il fait froid maintenant. C'est vrai qu'il fait un peu frais. Il fait un peu frais. On va se mettre des petits foyers à vapeur dans les endroits où ça caille un peu, quoi. Ici, ça caille. Ok. Allez, je te mets là aussi. C'est chier ça. Il faudrait que je mette mes automates là-dedans. Station de forage. Ouais. Ouais, ouais, on devrait faire ça. Ouais. Les éclaireurs sont rentrés en ville sains et saufs. Oui, alors. Mon petit pote. On va te retourner au bassin gelé, on va te le. Ouais, je pense. 3 jours, 4 heures. Super. Et après, la prochaine tech, ça va être. Le truc pour pouvoir win, là 6 jours, 20 heures. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Je pense qu'après c'est win, non? Je pense. Les rations là. Ressources, poste de collecte. Dépôt de ressources, 20 ainsi encore. Ouais, mais l'autre il va revenir avec 50 d'acier comme d'hab. Non, 100, pardon. J'ai dit 50 pour exagérer, mais en fait c'est encore plus. Les ingés, bim, ils reviennent. Ingénieurs. Alors, on avait dit qu'on avait mis des ingénieurs. Comment je peux retrouver mes ingénieurs? C'est bon. Oui. Pour un charbon de bois, c'est pareil pour là. La maison de soins, évidemment. Tout ça, on va mettre le chauffage. Vous avez pas le chauffage, vous? Normalement, j'ai un bon chauffage. Hein. Tellement. Bon chauffage. En opération, apparemment. Je vais te remettre un truc ici. Je supporte pas de voir 9 sur 10. Que ce soit 0 sur 10, 5 sur 5 ou 10 sur 10. On est tous d'accord, je pense, avec ça. Ok, 5 sur 5.
Non, j'ai les putains. Ils sont où? Les deux là. Ça rime à rien. Ne rime à rien. Automate. Et il va falloir faire un peu plus de bois au bout d'un moment aussi. C'est bien de cramer du. C'est bien de cramer du bois. Mais bon. On va avoir un souci en. Alors c'est où le truc là? Chauffage, exploration, balise. Le sang de bois, bah voilà. J'en parlais. J'en parlais juste avant, putain. Chauffage, 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 portée du générateur, portée des foyers. On l'a pas fait hein, depuis le début. Il nous faut toujours du bois. On a un problème avec putain de charbon là. En vrai. Moins d'une heure. Eh ouais, eh ouais. Oui, c'est un remplacement, c'est un bon remplacement ce que je viens de faire. J'avais pas bien compris au début, mais c'est bon en fait. Donc du coup, bah vu que j'ai plus de bois à cause des fours à charbon de bois, on va tout enlever. Enfin tout. Hop, doré, crevasse. Les ramener en ville? Les abandonner à leur sort. Les survivants vont mourir. Ces gens-là ne survivront pas beaucoup plus longtemps. Ils ont trouvé refuge dans une crevasse. Allez, vas-y, je les ramène parce que je suis vraiment un bon samaritain, putain. Arrivée prévue dans moins d'une heure. Nouvelle recherche. Moi, je voudrais voir l'économie, je voudrais voir le bois. 460-466. Toujours un petit problème. Le charbon de bois, pour un charbon de bois. Voilà. Bah c'est bon. On devrait pouvoir regagner du bois. Ouais. C'est bon apparemment. Idiot impénitent. Les gardiens de la foi nous informent que le prédicateur est mort en détention. Abandonné par ses disciples qui ont pris conscience de leur égarement. Nous lui avons donné une chance de retourner à la vraie foi, la nôtre. Mais il s'est entêté dans l'impénitence. Ma mort est un prix modeste à payer pour vous permettre d'être tous sauvés. Que mon sacrifice ouvre vos cœurs à Dieu. On a quoi là? Putain, mais 52. Mais putain, mais 52, je ne comprends pas. Va dans une maison de soins. Va dans une maison de soins. Pourtant, j'en ai foutu des baraques là, partout là. Pour les malades. Santé. 25 de bois, c'est chier. Ressources, d'abord. Station de forage à vapeur. Ok. Ça c'est bon. 14 heures restant. Bah ouais, quand je crame plus du bois. C'est plus compliqué tout d'un coup. Alors on va en recramer, vous inquiétez pas. Et là il m'en faut un petit peu pour la tech et tout. D'ailleurs le cuivre, je pense que ça va plus être intéressant. Fermer cette porte de la journée. Rotation d'urgence. Pareil du côté de l'autre là. Rotation d'urgence. Putain, mais en plus ça bosse pas bien. Attends. En fait. L'automate que je dois mettre là, je le sais hein, depuis tout à l'heure, mais j'ai eu la flemme. Rotation de 24 heures ici aussi. Ok. Et la tech. Alors la tech. Est-ce qu'on fait les balises? Est-ce qu'on attend un petit peu? L'intégration des automates au lieu de travail a augmenté ainsi leur efficacité de 10%. Jusqu'à 70%, ça je comprends pas. De 10% jusqu'à... Voilà, jusqu'à énormément. Ouais. Allez, l'amélioration des postes de médicaux là. Pas de mauvaise nouvelle. Si on peut avoir un peu de bois pour ça. Il fait bon les mecs en plus à la maison là. Ça me dégoûte que vous soyez là en mode non. La vie n'est pas belle alors que la vie est belle.
aucun résident en maison de soins. Ouais, ça dégoûte. Ah, peut-être parce qu'il faisait un peu frais. Très froid, effectivement. Hop, on va remettre le chauffage un peu partout là. Hop, hop. Ok. Ça m'a l'air d'aller, moi. Mais contentement, putain, mauvais soin, logement froid. Oh non. Oh non, vous pouvez pas me faire ça. Vous pouvez pas me faire ça, les mecs. Pas énormément de vivres, quand même. Alors, on va remettre les gars en vrai, parce que du bois, je vais en faire durant la nuit, ils vont pas le consommer. Je vais faire mes constructions pendant ce temps-là. Pas master de la journée, mais je l'ai toujours pas fait ça. Pas bien compris comment on faisait les automates, j'ai l'impression. Les automates. Le moral est haut. Capitaine, ceux à qui vous avez ordonné de rester pour la rotation d'urgence sont repartis au travail sans se plaindre. Nous savons qu'avec la tempête qui arrive, nous devons faire plus d'heures. Tout le monde doit travailler ensemble si nous voulons survivre au froid mortel. Eh ben, pas de problème. Les gens sont bien, en fait, dis-moi. 63. Pourquoi 63? Qu'est-ce que je dois faire? Oui, ben, on a froid, on a froid. Un jour. Ça remonte dans un jour, le froid. Il fera plus froid dans un jour. Sans de bois. Sans de bois, moi, je comprends pas. Encore des maisons de soins. Ok. On la place là. Ouais, mais je vais te mettre un petit truc, t'inquiète pas. Là, j'ai l'impression que ça va. Hein. Ah non, il fait frais là. Non, il fait un peu frais là en fait. Ok. Un peu frais. On a 100 de bois. Et apparemment, le charbon, c'est frais. Non, on va pas les démobiliser, hein. Non, on va retourner à la terre, au terrier de neige, au fond de crevasse, camp vulcain. Expédition de transport. Dans 10 heures, il revient. Du bois que je veux aller, où je veux aller tout à l'heure. On va démanteler ça. Livraison de 100 acier. Ok. On attendra. Hop, cabane de chasseur. Je l'en mets un petit peu parce que je ne supporte pas. Au four à charbon de bois, on va aux F de ce côté-là pour le moment. On va en laisser un petit peu. Ok. Les soins palliatifs, ça soigne pas vraiment, quoi. Non. Non. Ok. Ils sont où les autres? Ils viennent de partir. Il fait bon. Il fait bon chez nous, en vrai. Mais contentement, voilà, qui a encore baissé. Les mecs de la station de forage à vapeur là. Est-ce que les mecs, je vous mettrai pas un petit foyer là? On se dit, on est un peu mieux comme ça. Oh, je te mets un foyer ici, j'en ai plus rien à foutre. Glacial. Maison de soins. Alors il fait froid, oui, certes. On n'est pas là pour se plaindre, déjà. Déjà, premièrement. Est-ce que je vais en remettre, là? Maison de soins, c'est de la merde, hein. C'est de la merde, la maison de soins.
Non, j'ai recommencé le jeu, mec. Non, non, y'a rien de particulier. Ok. Un petit poste médical en plus, là. En opération. Mais ça ne sert à rien. De production vide. Ah ouais. La rue n'est pas connectée au générateur. Ah ouais. Hein? Ok. Aucun résident. Dégoûte. Bon. Regardons peu, regardons bien. Technologie, est-ce qu'on a un truc à faire? Non, on est en 100-100, donc on va pouvoir faire notre... notre truc là. La petite balise supplémentaire pour pouvoir gagner le jeu à un moment. 97, il n'y a plus que 32 mecs, 38. Combien de temps? Un jour et 9 heures. On va y arriver, je pense. Ah, à mon avis, oui. Je suis désolé. Et en fait, je me rends compte que c'était pas la bonne position pour les cabanes de chasseurs. Je suis vraiment désolé. Hop, tout ça démantelé. Ok, des 4 sur 5, génial. Amélioration des postes médicaux. Let's go. 42, pourquoi je vois 42 maintenant? Et pourquoi 9h restante en plus? Ah oui, on est en surmultiplicateur, ouais. Ah, j'ai oublié de faire un truc, je crois. Je crois que j'ai oublié de faire un truc. C'est où? C'est là. 10 rations seront données aux patients pour accélérer leur guérison. Mec. J'aurais dû cliquer sur ça bien avant. Et ils sont où les trucs? Parce que moi, pour les retrouver maintenant... Cantine. Rotation d'urgence, oui, non? Hop. 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 Aucun résident? Good. Nouvelle recherche. Nouvelle recherche. Lentille stéréoscopique. Petite cire à vapeur. Mécontentement 100. Oh putain, 111 malades! Mais arrêtez de faire ça! D'être malade là! Énervé. Poste médical en plus. Alors il faudrait qu'on enlève ça. Une autre maison de soins. Et un poste médical 25 de bois. Le problème c'est qu'on boit maintenant. C'est du charbon en fait. Quoi? La route là. Ouais, bizarre. Un peu bizarre, pas bien compris. Y'a combien de mecs qui peuvent travailler? Une vingtaine. Là, au plaisir. Pas connecté au générateur encore. En construction. Bonjour. Est-ce que ça se remplit direct là? Pas sûr que je fasse les bonnes choses. Hein. Pénurie de ressources. Quoi? Les ressources commencent à manquer? Non. Or, nos besoins sont importants et ne cessent d'augmenter. Oui. Nous pourrions remédier au problème en faisant passer une loi qui allongerait la journée de travail. Vous pouvez augmenter la durée de la rotation de travail dans n'importe quel bâtiment à 14 heures. Oui, mais bon. Moi je pense qu'on est bien là actuellement. Le mécontentement sera réduit de manière permanente. Chaque duel spontané diminuera légèrement le mécontentement. Ou maison de passe. Dans chaque peuple, alcool. L'alcool.
Mais là, le cool. Oui. On est à 4000 charbons, j'ai l'impression que les ressources, c'est pas un problème. Et notre bois, peut-être le problème. D'accord. Hop, cabane de chasseur, celle disponible encore. On va enlever celle-ci. Ah, il faut qu'il mange bien quand même, donc faut faire un peu gaffe. Aucun résident. On est à 71, occupiez-vous des malades, proposez un traitement pour les malades, mais les mecs... Je sais pas quoi vous dire, moi. Quand même la foi, attendez. Voilà, pénitence publique, procession nocturne. Il va se passer des petits trucs là. L'espoir augmentera. On va faire un petit sermon. Surtout pour les malades, parce qu'ils me commencent à me casser les couilles. Pardon. Ouais, c'est des ingés, les mecs. Bon. Ok. Procession nocturne. À moins 70. Voilà, je vous baisse bien là. Une mère affamée, capitaine, une femme est venue nous voir. Elle souhaite avoir plus de nourriture, mais les cuisiniers disent qu'elle a déjà reçu sa part. Elle veut une petite ration sup. Je vous en supplie, capitaine. Vos hommes ne pensent pas à mal, mais ils ont fait une erreur. J'ai besoin de deux rations, une pour moi et une pour mon enfant malade. Pitié, capitaine, on lui donne deux rations, y a pas de problème. Pas un souci. Et s'il se passait ça? Ok. Il y a un problème avec la route. Malin. 6 heures restant. Alors 6 heures, mais non. Là, actuellement, les enfants... Pourquoi l'automate ne marche pas? Les sirènes à vapeur inactif. Oh, aucune ressource à proximité. Oh, ça fait pas rigoler, ça. Là, il faut du... bois. Du bois. Aucune ressource à récolter, à porter. Ah. Il faut du bois. Ok. Il n'est pas rentré lui encore? Ah non. Là. Les 5 heures restantes, ça fait peur. Hein. Ça fait peur. Poste médical. Ils sont où, mes gardiens de la foi, là? Parce qu'on a 530 mecs, mais il y en a 2000 qui sont malades. Ah, c'est des ouvriers, maintenant. Ok. On forage à vapeur. Et petite usine. Cirée à vapeur, station de forage, 20 de bois. Station de forage à vapeur, 20 bois, 40 aciers, 2 noyaux. 20 bois, on va pouvoir le trouver à mon avis. Donc ça c'est station de forage à vapeur et ça aussi. Il faut que je mette les automates là-dedans. Ok. En vrai. Je pense. En plus il fait froid là-dedans. On peut enlever la chaleur là d'ailleurs. Voilà. Démantèlement en cours. Non, on va pas démanteler ça en vrai. Ok. Ah. Ça va mieux. 4 heures restantes. Attends. Voilà, on va se mettre tranquillement en deux. On se met en deux.
plus 600. On va se refaire une petite passe. Les vols de nourriture provoquent les émeutes. Capitaine, nous avons enquêté sur la différence entre l'utilisation de vifs crus et la production de cantines. Tout porte à croire que les cuisiniers volent la nourriture. Les gens sont furieux. Moi aussi je faisais ça. Nous avons capturé 4 suspects. Ils disent avoir voulu préparer leur famille à la tempête et empêchera d'obtenir plus de nourriture. Faire un exemple. 4 personnes exécutées demandaient aux gardiens de la foi de surveiller les cuisiniers. Je m'occupe pas de ça. On va quand même faire un exemple parce qu'on est très laxiste depuis tout à l'heure. Là, je pense pendre les cuisiniers, c'est bien. Bien. Bonne nouvelle. Alors, ici, on a Osef. La cantine, les enfants. Okay. Non, c'est une bonne décision. Ici, on a quoi? Hop. Les ingés. Un four à charbon de bois, Osef. Osef. Ouais, on est en micromanaging actuellement. Manque un petit peu de vivre, je crois. On est à moins 130, effectivement. Gain de vivre cru, 180 par jour. Là, c'est marqué gain en ration. Ah oui, d'accord. Ok. Ici, c'est au moins un travailleur. Oui, bah c'est bon. Cantine. Hop. Moins 60, hein, quand même, hein. Donc il fait bon, mais il fait bon quoi. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Ah, le lieu est inaccessible pour le moment. Ah ouais. Donc, on peut plus aller au bassin gelé. Wow. Ça fait peur. Ça fait un peu peur. Est-ce que c'est la grosse tempête après? Un niveau. Oh. Avant-poste. Du bois, s'il vous plaît.